Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mai. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Joanne et j'apprends à gérer mon budget. Je vous propose de me suivre à travers mes expérimentations budgétaires. Donc surtout si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Allez, on va vérifier ce qu'il me reste dans le portefeuille pour cette dernière semaine du mois de mai. Ensuite, on fera la clôture et je ferai le remplissage du coup pour le mois de juin. Donc ça va aller très rapidement parce que je suis pas sortie du tout cette semaine et donc il me reste encore pas mal d'argent. Avant de vider les enveloppes, hop, je suis allée chez, alors comment on appelle ça déjà, je me rappelle plus, comment ça s'appelle? Il me restait en fait des won quand je suis allée quand je suis revenue de Corée et du coup je suis allée, mince. J'ai un gros trou de mémoire là. Comment ça s'appelle? Au bureau de change, voilà. Je vais y arriver. Je suis allée au bureau de change et du coup, j'ai pu rendre les won que j'avais en billets. Donc, il ne m'a pas récupéré les pièces. Donc, c'est pas grave. De toute façon, ça faisait même pas quelques euros. Bah, là, en pièces, il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste 1000 won. Ça fait l'équivalent de, on va dire, 80 centimes. Donc, je vais les garder. Ça me fera un petit souvenir, un petit souvenir de la Corée. Et puis, si vraiment un jour j'y retourne, on ne sait jamais, je les prendrai avec moi. Et puis, voilà. Donc, du coup, je suis allée changer les quelques won qui me restaient. Et donc, il m'a rendu 14,42 €. Voilà. Donc ça me fait de l'argent en plus et c'est plutôt cool. Ensuite, alimentation, je suis allée faire les courses, donc j'ai plus du tout de sous sur ma carte ticket restaurant et j'ai dépensé un petit peu en espèces et du coup il me reste 20,58 € pour l'alimentation. Entretien et hygiène, j'avais pris dans l'optique d'acheter des choses pour le chat qui va arriver, du coup je ne les ai pas dépensées. Donc, il me reste toujours les 20 €. Et j'avais gonflé un petit peu mon enveloppe shopping avec l'enveloppe de la semaine dernière que je n'avais pas dépensée. Et au final, j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc, j'irai la semaine prochaine, je vais les sortir. Parce que dans tous les cas, je fais la clôture là du mois. Et je ferai mes dépenses sur le budget du mois de juin. Donc, du coup, pour ce mois-ci, les 40 € ne sont pas dépensés. J'ai vraiment, vraiment pas eu le temps. Là, on va rentrer dans la grosse période des examens à l'école. Donc, j'ai pas eu le temps. Et puis, j'avais d'autres choses à faire. Et comme vous le savez, je suis en leasing avec la voiture. Donc, j'essaye de faire le moins de kilomètres possible. Ce qui fait que j'ai pas pris le temps d'y aller. Mais c'est pas grave, j'ai encore une semaine. Normalement, si tout se passe bien, s'il est bien sevré, je le récupère que dimanche. Donc le dimanche de la semaine d'après. Ce qui fait qu'il me reste encore une semaine pour pouvoir m'équiper. Mais de toute façon, j'ai déjà... le principal pour commencer. Le principal. Oui, il me manque les croquettes, mais ça j'irai quand je ferai les courses. Mais voilà, il me manque les croquettes et la litière. Mais sinon, j'ai le principal pour commencer. Je peux utiliser des bols à moi pour faire les gamelles. J'ai une caisse achat et il me manque juste une caisse de transport. Mais ça, si vraiment j'arrive pas à recevoir une, si j'arrive pas à en trouver une, je sais que je peux toujours m'en faire prêter une. Donc ça, pas de souci. Donc ça, c'est du coup ce qu'il me restait dans le portefeuille. Et comme on va faire la clôture du mois, il va falloir également vider le classeur des enveloppes. Donc, pour ceux qui me suivent depuis le début du mois, vous savez que j'ai budgétisé dans mon classeur à enveloppes une semaine supplémentaire, ce qui fait que il me reste encore de l'argent. Donc, il me restait 40 € là dans l'enveloppe alimentation, parce que j'ai prévu une semaine supplémentaire, et il me reste 20 € dans shopping, entretien. Il ne reste plus rien, puisque j'avais tout mis dans mes enveloppes dans le portefeuille. Santé, il me restait 5 €, parce que j'avais mis 70 € et j'avais un rendez-vous qui me coûtait que 65. Donc, du coup, il me reste 5 €. Restaurant, il me reste 20 €, ceux-là, je ne les ai pas touchés. Ensuite, un cadeau, je n'ai plus rien. Et enfin, SOS, les 20 € habituels dont je n'ai pas eu besoin. Donc, voilà. Ce qui fait que dans mon portefeuille, il me restait... Alors, 1, 2, 3, 60, 70, 80, 90, 95 €. Donc, il me restait 95 € dans les enveloppes. Et donc voilà, ça, c'est cool parce que du coup, ça me fait vraiment économiser un petit peu plus d'argent. Donc ça, c'est trop chouette. Du coup, on va faire la répartition dans les défis.
Je vais vite fait remplir donc, le budget de planner. Mais vous allez voir qu'il va y avoir un petit peu de changement. Et ça, je ne vais plus l'utiliser par la suite. Mais c'est juste que je le note comme ça, j'oublie pas. Et je pourrais le reporter sur le nouveau support que je vais utiliser. Que je vais vous montrer juste après. Donc on a dit sur 7 semaines, il y avait 95 euros dans les enveloppes. Il n'écrit plus très bien ce stylo. Et dans le portefeuille, il y avait 14 euros. Mince, 14 euros de la Corée. 14,42. Et le reste, il me restait. Oh là là, j'aurais dû marquer au début. 2, 6, 7, 8, 8. 8,58. Ouais, je crois que c'est ça. 80,58. Si je me trompe pas. Bon, je regarderai. Je verrai en regardant à nouveau la vidéo pour voir si je me suis pas trompée. Mais je crois que c'est ça. Allez, c'est parti. Les défis. On va déjà commencer par la tirelire. Donc, tout ce qui me restait dans mon classeur des enveloppes, ça va dans la tirelire. Le reste ira dans les défis. Donc, du coup, dans le classeur, déjà, il y avait 5 euros de l'enveloppe santé. On va choper le premier 5 euros que je vois. Hop. Donc, ça, c'est pour la tirelire. Ensuite, il y avait 20 euros dans l'enveloppe santé. Alors, il me semble que de mémoire, il y avait plus de 20 euros. Il me reste que des trucs de 10. Hop, là, j'en ai un. Là, j'en ai un autre. Donc, il y avait 20 euros dans restaurant. Il y avait 20 euros dans SOS. Là, il y en a un. Et là, il y en a un autre. Il y avait 20 euros dans l'enveloppe shopping. Vous me direz si vous en voyez, mais j'ai bien l'impression qu'on a également fini les 10 euros. Je vais refaire un tour, mais je crois bien que c'est ça. Là, il n'y a pas. Là non plus. Là non plus. Tac. Et ben, il semblerait bien qu'on ait terminé. Donc, du coup, on va pouvoir remplir que des 5 euros. Et ben, on va commencer par là. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, il me restait donc 40 euros dans l'enveloppe alimentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et mince, il restait un 10 euros là. Je vais mettre un petit point comme ça. La prochaine fois, je le verrai. Je suis repassée deux fois et je ne l'ai même pas vu. Donc du coup, on va pouvoir plier tout ça. J'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que vous avez fait quelques petites économies. Et j'espère aussi que ce mois-là, si vous le terminez, ou alors si vous le terminez la semaine prochaine, je ne sais pas. J'espère en tout cas que ce mois s'est bien passé. Hop, avec tous ces jours fériés. Moi, perso, j'ai bien pu profiter des jours fériés. J'étais bien contente qu'ils soient là. Parce que j'étais crevée après mon retour de Corée. Vu que j'ai pas eu de pause entre la fin de mes vacances et la rentrée. Donc, du coup, j'étais bien contente d'avoir ces petits jours de congé en plus. Hop. Voilà. Bah, cette petite tirelire, elle se remplit là, petit à petit. C'est cool. Il va me rester du coup que des petites sommes. Donc, quelques 5 euros. Et après, ce sera 2. 2, 1 euro, 10, 20 et 50 centimes. Donc ça va aller plus vite. Mais bon, cette tirelire, de toute façon, vous ne la reverrez pas avant la fin du mois prochain. Puisque je ne la ressors que quand je vide mon classeur des enveloppes ou alors quand je fais des ventes. Donc celle-là, on la voit une seule fois par mois. Hop. Et hop. J'ai parlé, mais j'espère que je n'ai pas pris de billets au-delà de la... J'espère que je ne me suis pas trompée. Je pense pas. Mais voilà.
ça c'est bon. Bon, je l'avais déjà vidé un petit peu quand j'avais remis de l'argent. Hop là, je vais y arriver. Quand j'avais remis de l'argent en banque, donc elle est un petit peu moins remplie. Il y a des petits billets, des faux billets, des billets factices au fond. Mais elle se remplit petit à petit, je suis vraiment contente. Ensuite, les défis. C'est pas le bon. Alors, le classeur des défis. Celui-là, on verra après. Celui-là, c'est des recharges. Monthly. Il n'y a pas besoin de faire. Le mois de mai, on a déjà fait. Les jours fériés, on l'a terminé, celui-là, pour mai. Le prochain, ce sera le 14 juillet. Le haul cash, j'ai pas de billet de 5 euros. Donc, on va pouvoir faire le haul cash. Et celui-là, à mon avis, on va bien l'avancer. Alors, déjà, deux billets de 20. Comme ça, on finit les grosses cases. Hop. Ensuite, le billet de 20, et ben 5. 2, 2, 2. Et une pièce de 1, ça, ça fait 10, plus 1, 2, 3, 4 pièces de 2 et 2 pièces de 1. Hop, est-ce qu'on va réussir à le finir aujourd'hui? Ensuite, billet de 10, 1, 2, 3 euros, 4 euros. Eh bien, je crois qu'on va le finir aujourd'hui, dis donc. J'en étais où? J'ai dit 1, 2, 3, 4... Non, 1, 2, 3, 4. Hop, 5, 5. 5, je suis un petit peu embêtée parce que je ne vais pas avoir assez. Est-ce que j'ai 5 euros là-dedans? Peut-être bien. Ou peut-être pas, je crois que non. Accroche. Comment je peux faire? Ah si, j'ai 5. Bon, c'est un billet factice, mais ça reviendra au même. Comme ça. Ça. Ma pièce, je la remets. Je vais y arriver. Ça, je mets là. Donc, du coup, je m'étais arrêtée à 5 euros. J'ai repris 5 euros ici. Et ce qui me reste là en petite monnaie, je vais voir si je peux y passer avec les pièces. Alors... Donc là, j'ai 20 centimes, donc je peux déjà finir celui-là. Ensuite, là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 centimes. Il me reste 16 centimes à mettre. Est-ce que j'ai 16? Je crois pas. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 5, 6. On va mettre 26 et je vais récupérer une pièce de 10. Et je vais finir ce défi. Trop, trop bien. Je suis contente. Je suis contente, comme ça je vais pouvoir passer à autre chose. Celui-là, je l'ai fini. Donc j'ai mis 800 euros. Bah, 799,92 €. Donc j'ai mis 800 euros dans ce défi. C'est trop trop bien depuis que j'ai commencé. Ah non, attends, quand même. Juste pour le plaisir des yeux. Hop. On va barrer tout ça. Comme ça, celui-là, je l'ai fini. Eh bien écoutez, aujourd'hui, comme ça, on va pouvoir le vider. On va pouvoir le vider, les pièces je vais mettre dans les rouleaux, les billets je vais remettre dans mon enveloppe là pour aller à la banque. Et celui-là, comme ça au moins il sera fini, il va retourner sur mon... Ah ça y est, j'ai encore oublié le mot, je l'avais dit, bah, j'avais pas trouvé la semaine dernière, le LEP, livret d'épargne populaire, voilà. Du coup comme ça je pourrais remettre dedans, on va juste finir ça et puis voilà. Et puis du coup on choisira un nouveau défi ensemble, on verra ce que je prends. Le muguet, et ben celui-là, à mon avis, je vais pouvoir le finir aussi parce qu'il me reste encore 25 euros et de la petite monnaie là, à terminer. Et là, j'ai combien pour faire? Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 50. Et ben hop, là, 15, 50. Celui-là aussi, il est terminé. Ben, c'est ma journée... Hop, c'est la journée clôture des défis, donc paf, pareil, juste pour le plaisir des yeux, on barre tout ça. Bon, je ferai le grand ménage après, et du coup, ben, il va me rester 4 euros, 4 euros, 4 euros 13.
Vous savez ce qu'on va faire, c'est que ces petites pièces-là, là, les 13 centimes, je ne vais pas les comptabiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais me les mettre dans la tirelire. Je ne vais pas les comptabiliser parce que, bon, 13 centimes, on s'en fiche un petit peu. On va faire comme ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les 14 euros là, qu'il me reste, je vais prendre soit de l'avance sur le monthly, soit de l'avance sur le jour férié. Et bon, bah, ça, je ne peux pas prendre d'avance de toute façon. Et ben, on va pouvoir remplir le bonus aussi. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et du coup, ben, le mois de juin sera terminé. Alors qu'il n'a même pas commencé. Mais écoutez, c'est pas plus mal. Parce que j'aimerais bien cet été pouvoir partir en vacances. Alors vous allez me dire, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je suis déjà partie en Corée. Mais ben voilà, le fait d'avoir repris les enveloppes budgétaires et le fait de moins dépenser au niveau de la voiture, eh ben ça me permet d'économiser quand même pas mal d'argent. Et comme bah, shopping, je n'ai pas trop l'occasion de sortir, eh ben, voilà, j'économise un max. Et en plus de ça, cette année, j'ai le droit au ticket restaurant. Et je fais des extras. On va dire que c'est une très bonne année au niveau des économies. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir partir en vacances. Alors moins loin, on est bien d'accord. Je ne vais pas me refaire un voyage à l'autre bout du monde. Mais j'aimerais bien faire les Pays-Bas. Les Pays-Bas. En fait, ce que j'aimerais bien faire à l'avenir, c'est faire un gros voyage dans l'année et après un petit voyage. Alors, petit voyage pour moi, ce sera les voyages en Europe où ça ne me demande pas de dépenser beaucoup dans un billet d'avion. Donc, du coup, voilà, j'aimerais bien faire ça. Donc, cette année, c'était la Corée et un petit voyage, ben, les Pays-Bas. Et puis, voilà. J'étais, du coup, on a dit qu'il y avait 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on va mettre 12 et récupérer 1. Hop. Et du coup, il me reste 3 euros. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aime pas trop compléter la moitié d'une somme. Donc, ce que je vais faire, et non, je vais pas le faire parce que j'ai pas le tracker du mois de juin pour les fleurs du mois. Mais si. Alors, si. Ce qu'on fait, c'est que je les laisse de côté et comme vous allez voir, je vais changer de support et ben on va quand même pouvoir les comptabiliser tout à l'heure. Vous allez voir. Là, je peux pas le faire, mais on pourra le faire juste après. Donc, voilà pour ça. Ben, c'est trop bien. Alors, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Je réfléchis. Parce que là, du coup, c'était pas prévu. Je réfléchis. J'ai bien envie, en fait, comme dans tous les cas, je vais devoir vider le haul cash pour pouvoir changer de défi. J'ai bien envie de vider tous mes défis et de remplacer par des billets factices. Comme ça, si je vais à la banque, ben, je vais aller à la banque dans tous les cas. Comme je vais y aller, autant ne pas y aller pour rien, entre guillemets. Autant en déposer le maximum. Ça m'évitera d'y aller deux fois, ben, s'il faut le faire deux fois ce mois-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que ben, on va remplir les défis avec des billets factices et je vais tout retirer pour voilà, y remettre à la banque. Allez, du coup, j'ai récupéré les billets factices. J'espère juste que je vais en avoir assez. Parce que j'en avais piqué pas mal pour des ventes. Et du coup, il ne me reste plus grand-chose. Alors, j'espère que j'aurai assez pour tout faire. Et puis, au pire, ben, je mettrai la vidéo en pause. J'en ferai en vitesse. Et puis, on reprendra après. Alors, je fais mon petit tri. Tac, tac, tac. Et les 10 euros. Hop, allez, c'est parti. Du coup, on va pouvoir rassembler les fleurs du mois, puisque dans tous les cas, celui-là, il est terminé. Enfin, du moins pour le mois de mai. Après, bien sûr, on rattaquera un nouveau mois. Donc là, c'est les 3 que j'ai déjà fait. Et du coup, au total, dedans, il y a... Hop, il y a 35 euros, 35 euros, 36 euros. Donc les billets, je vais me les mettre de côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre là. Celui-là, ben, il reste là. Et les pièces, alors, mis à part ces trois petites-là, les pièces, je compléterai mes rouleaux juste après. Donc là, les trois billets de 10, je vais les remplacer par donc, des billets factices. Hop, avec le 5. Et donc ça, c'est pour les défis fleurs du mois. Voilà, comme ça, je repars à zéro et dans ce classeur, il n'y aura que des billets factices, plus de pièces, plus de vrais billets. Comme ça me libérera un petit peu d'espace.
Ensuite, hein, le monthly, il y a exactement, hop, il y a 30 euros, 35, 36, 37. Donc ça dans la tirelire, oui, non, ça dans la tirelire, on a dit 37. Donc 35, et voilà, pour le coup, j'ai pas le choix, 37. J'ai pas le choix que de remettre, non, je suis même pas obligée d'ailleurs. Parce que dans tous les cas, que ce soit dans ce classeur-là ou dans la tirelire, dans tous les cas, ça va retourner sur mon compte bancaire. Donc même s'ils sont pas, bah, les pièces ne sont pas dans les enveloppes, ça ne me dérange pas. Parce que quoi qu'il arrive, ça retournera sur le compte. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, là j'ai deux billets factices. Donc ceux-là, je ne les touche pas. Là, il y a 50, 70, je vais y arriver. Alors 5, 6, 7... Donc ça, c'était pour les jours fériés. Ensuite, hein, celui qui nous intéresse le plus. Celui-là, par contre, je vais pouvoir le vider entièrement parce que dans tous les cas, il est fini. Celui-là, je n'ai pas besoin de garder une trace de ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Et j'espère qu'avec toutes les pièces que je vide, j'aurai assez pour compléter mes rouleaux. Ça. Et donc, du coup, là, en billets normaux, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 310 euros. Là, on se refera un petit calcul après du total. Donc, du coup, celui-là, c'est vidé. Et je vais vider les billets de 5, même si j'aimerais bien les garder. Jusqu'au bout, 1, 2, 3 et 4. Il y a 40 euros. Donc, hop. Je mets 40 en 20. Ou je mets... Allez, pour le plaisir de voir que des billets de 5 euros, je vais mettre que des billets de 5 euros. Et je me suis trompée, il me manque 4. Pas très forte pour le calcul mental. Hop. Voilà, comme ça, j'ai un classeur des défis qui est tout plat. Il n'y a plus rien dedans. Du coup, ça, les billets factices, j'en ai plus besoin. Et on va pouvoir recompter au total ce qu'il me reste. Enfin, ce que je vais devoir remettre en banque. Ce que je vais devoir. Alors, c'est pas vraiment un devoir. C'est une obligation. C'est un plaisir de pouvoir remettre ça à la banque. Hop. Comme ça, ça fera des bébés. Alors, pas beaucoup, mais ça fera quand même quelques bébés. Alors, il y a combien exactement? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Là, il y a 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, il y a 400, 400, 440. Et ben 480 parce qu'il y avait 40 euros dans les billets de 5. 480 à remettre à la banque. Hop. Et ben ça, j'y mettrai dans mon enveloppe. Et puis, je remettrai tout ça en banque. On va s'occuper des pièces. Et après, on s'occupera du remplissage. Ben, je vous montrerai mes nouveaux supports et on s'occupera du remplissage pour le mois prochain. Du coup, ces trois-là, on les garde en mémoire. Je disais que je les garderais de côté pour pouvoir remettre dans mon nouveau défi. Mais comme je vais ouvrir les rouleaux de pièces pour éviter d'avoir à les ouvrir 20 fois, je vais quand même les mettre là. Et tout à l'heure, vous y pensez avec moi, on cochera le défi fleurs du mois pour le mois de juin. Alors, la tirelire. Donc, il y a quelques pièces qui sont volantes parce que ça ne rentrait pas. Hop, c'est normal. Et pour le reste, on va pouvoir compléter. Alors là, c'est rouleau de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 1 euro et 2 euros. Alors, 2 euros. Tac. Bon, je pense pas que je pourrais tout compléter parce que mine de rien, il n'y a quand même pas tant de pièces que ça. Ça, c'est 50. Ça, c'est 20. Hop. Là, il y a 10.
Ah non, je pense pas que je pourrais compléter, mais c'est pas grave. Au moins, elles seront rangées et elles traîneront pas. Là, il y a deux, mais le truc de deux est déjà complet. Et pareil pour le billet de 10, les pièces de 10. Les pièces de 1, je vais pouvoir compléter par contre. Allez, essayez de faire ça en vitesse. Parce que comme la semaine dernière, je suis encore en train de filmer avec mon téléphone. Bah, l'appareil photo, je l'aurai pas avant un petit moment. Donc pour l'instant, on va se débrouiller avec le téléphone. C'est pas idéal pour moi parce que j'ai peu de place dessus. Mais ça va le faire. Tac, tac, tac. Il me manque 3 pièces de 1 centime. Ça, c'est bête. Pièces de 2, du coup, je ne peux pas compléter. Donc, elles resteront volantes, c'est pas grave. Pièces de 5, je peux. Il me reste encore de la place. Voilà. Ensuite, pièces de 10, je ne peux pas non plus. Pièces de 20, je peux. Et il va me manquer. Il va me manquer 6 pièces pour les pièces de 20 centimes. Donc, peut-être qu'à la fin du mois de juin, je devrais pouvoir restituer ces pièces-là à la banque. Et ça sera chouette. Si j'arrive à les fermer. Hop, je ne vais pas trop forcer, sinon je vais les abîmer. Pièces de 1. J'en ai 3. Pas eu l'ouverture. Ah, elle est là. Hop, pièces de 1. Je crois qu'il ne m'en manque que 2. Ouais, il m'en manque que 2. Bon, c'est pour ça, je pense que le mois de juin, voire même au cours du mois de juin, il y a peut-être possibilité que j'arrive à remettre ça en banque. Pas très pratique ce système. J'aurais préféré des sachets. Mais j'avais pas trop le choix. Elle m'a proposé que ça, la dame à la banque. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Déjà, je peux les remettre en banque. Parce que c'était pas le cas quand j'étais à la caisse d'épargne. D'ailleurs, ça y est, j'ai enfin... Je sais pas si vous me suivez depuis le début. Mais j'avais changé de banque. Et j'ai changé de banque il y a... Je sais pas quoi. Il y a peut-être 1 ou 2 ans. Un an et demi, un truc comme ça. Et j'ai enfin clôturé mon compte à la caisse d'épargne. Ça faisait un moment qu'il traînait, il n'y a rien dessus. Et ça faisait un moment qu'il traînait. Donc ça y est, je l'ai enfin fermé. Hop. Ça. Et ça. Bon, et ben on est bon pour... La répartition, ben le vidage des défis, on va dire. Est-ce qu'on se viderait pas ça aussi? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, quitte à aller à la banque, autant tout déposer, pardon. Et j'y avais pas pensé, j'y pensais vraiment plus. Ça m'était sorti de la tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les vider aussi. Donc là-bas, j'avais 480. Hop. Là, il y a 2. 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 20, 26, 5. Ça fait 265. Bah, c'est chouette. Alors, 200, 60, 60 et 5. Voilà, comme ça, au moins, je sais que j'ai plus d'argent liquide à la maison. Bah, mis à part les pièces, hein. Mais au moins, j'ai plus d'argent liquide à la maison. Et ça, c'est plutôt chouette. Et ça, ça ira sur le LEP. Oh, pourquoi je les plie? Là, c'est dans ce moment-là, je me dis, mais pourquoi est-ce que je les plie? Bon, je rangerai plus ça plus tard. Allez.
J'en avais marre, j'avais envie de changer un petit peu mes outils. J'en avais marre de voir tout le temps les mêmes coloris, les mêmes motifs, les mêmes outils en général. Et du coup, j'ai décidé de changer. Et donc, je me suis fait ça dans la semaine là. Alors, je suis désolée, je suis peut-être un peu passée rapidement sur le fait que je voulais changer mes trackers. Là, je m'en rends compte quand je suis en train de faire le montage. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de changer mes supports alors que ça fait que quelques mois que je les ai? Je pense que ça fait 3 mois ou 4 mois que je les ai refaits. Tout simplement parce que je sens que je suis en train de perdre ma motivation. Donc, moi, j'ai besoin en fait de renouveler mes supports régulièrement pour rester aussi motivée qu'au premier jour. Donc voilà pourquoi je fais ce changement. Alors vous inquiétez pas, tout ce que j'utilise à chaque fois, c'est pas perdu. Je garde tout ça dans un classeur et si un jour j'ai envie de les réutiliser, eh ben ils sont toujours disponibles. Je ne les jette pas, hein, on est bien d'accord. Ce serait du gaspillage. Puis j'y passe quand même un petit peu de temps, donc ça m'embêterait de les jeter à la poubelle. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de changer mes supports parce que j'en ai marre de voir tout le temps la même chose. Donc du coup, voilà, j'avais besoin de changement. Puis je me suis dit qu'un nouveau format aussi, ça pouvait être sympa. Pourquoi pas tester, de toute façon c'est le moment ou jamais. Donc voilà, en tout cas j'espère que ces supports vous plaisent et puis on retourne à la vidéo. Et donc déjà je change de format, je passe sur du A6. Je trouve que, alors c'est très bien hein, je passe en A5. Je trouve ça très bien le format A6, mais c'est vrai que c'est un petit peu petit et puis ces classeurs, ça fait un petit moment que je me les traîne. Donc j'avais envie de changer. Et quand j'avais fait une grosse commande là de classeurs pour remettre sur la boutique, ce que je n'ai toujours pas fait, ils sont toujours pas disponibles sur la boutique, mais j'en avais profité pour commander un format A5 et comme j'en ai qu'un seul, et ben tant qu'à faire, autant l'utiliser pour moi. Et du coup, je me suis fait des nouveaux outils. Et vous allez voir qu'en fait, à la base, j'ai 3 classeurs. Bon, il y en a un que j'utilise jamais. J'ai 3 classeurs et du coup, j'ai décidé de tout regrouper en un seul pour que ce soit plus simple, que j'ai pas besoin de faire la navette à chaque fois. Donc du coup, je me suis fait une... en fait, j'ai fait un mix entre mon budget planner et mes classeurs. Donc la première partie, ça concernera le budget planner. Il y a les mêmes pages en fait que dans l'autre, mais j'ai repris, j'ai changé les motifs pour que ça aille un petit peu plus avec la couleur du classeur. Mais sinon, c'est la même chose. D'ailleurs, elle, je ne sais pas pourquoi, elle est ici. Elle n'est pas dans le bon sens. Et vous voyez que le truc, il est vide et il est déjà bien plein. Alors bon, c'était un peu prévisible en mettant tout dans le même classeur. Mais je voulais vraiment ne plus avoir à faire la navette. Donc bon, ce sera bien plein, mais je vais me débrouiller. Ça marchera quand même. Donc du coup, dans ce classeur, il y a les mêmes pages. Donc une vue sur le mois au niveau du calendrier. Là, c'est une feuille par semaine pour voir ce que j'ai un petit peu à faire. Ensuite, pareil, au niveau des jours, je peux traquer mon eau, le sport, les humeurs, si j'ai des rappels, des rendez-vous ou autre. Ensuite, pareil, le meal planner pour la semaine. Le défi, moi sans dépenses, parce que celui-là, je le referai, ça c'est sûr. Ma vue, pareil, pour mon budget mensuel, donc une vue sur double page. Ces pages-là, vous les connaissez, vous les voyez à chaque fois. Donc ça concerne le bilan du mois et le bilan annuel, tout ce que j'arrive à économiser. To-do list, des notes, et ensuite on passe... Et ensuite, on passe à la partie enveloppe. Donc là, c'est juste mes enveloppes en fait que j'avais dans le classeur. Si je le retrouve dans ce classeur-là. Donc les enveloppes où je mets l'argent pour tout le mois. Et ensuite, je dispatche dans mon portefeuille. Donc là, j'ai changé un petit peu la typographie. Alors, je peux vous dire que j'ai galéré à écheniller tout ça. Surtout pour les toutes petites formes comme ça. Ça a été une galère à coller sur mon classeur. J'aime bien la typographie. C'est assez, sobre entre guillemets, elle est assez stylisée, mais c'était une galère à écheniller. Pour ceux qui ont des Cricut, vous savez comme moi que c'est chiant. Voilà, donc du coup j'ai fait toutes mes catégories, j'ai tout collé ce matin et j'ai ressorti du coup une enveloppe pour l'enveloppe chat, la nouvelle enveloppe qui fait son retour ce mois-ci et pour j'espère de très longues années. Voilà, donc ça c'est les enveloppes classiques. Ensuite les défis à court terme, donc du coup muguet c'est terminé, je vais pouvoir passer au défi suivant.
Et donc le défi fleur du mois, celui-là, je le garde. Le défi monthly, c'est pareil, je le garde. Ensuite, il y avait le défi long terme. Donc pour le coup, j'avais refait un défi all cash. Bah, comme il est fini, je vais devoir le changer. Parce qu'il est hors de question que je le refasse, il était beaucoup trop long. Le jour férié, ça, je le garde, bien sûr. Le défi 5 euros, c'est pareil, je garde. Et ensuite, j'ai fait une catégorie d'hiver, donc avec mon mini challenge Shop Pop Up. Et là, c'est une enveloppe où je mets tous les défis. Tous les défis que, dont je pourrais avoir besoin, ainsi que ma pochette pour la banque et bien sûr mon petit tracker pour savoir ce que je dois retirer. Donc voilà pour mon nouveau super. Donc j'espère que ça va être pratique, on va voir, on va tester ce mois-ci, et puis si je vois que c'est vraiment pas pratique, peut-être que je retournerai à ce que j'ai déjà, on verra, je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Peut-être remarquer les défis, comme ça je me perds pas, et puis je ferai mon budget parce que je l'ai pas encore fait. Bah, j'ai reçu mon salaire, j'ai pas encore fait mon budget et je suis pas encore allée chercher de l'argent, donc j'essaierai de faire ça là tout de suite dans la foulée, et si je peux aller chercher de l'argent cet après-midi, et ben je ferai ça. Alors au niveau des défis, on va pouvoir déjà ressortir le bon défi fleur du mois, le défi du mois de juin, je sais pas, juin c'est les roses, et on va pouvoir ranger le muguet. Hop. Donc c'est pareil, les défis fleur du mois, je les ai un petit peu changés pour reprendre le même motif qu'il y a sur mes pages de garde, comme ça tout est coordonné. Et avant que j'oublie, on a dit qu'il y avait 3 euros donc à mettre dans défi fleur du mois 1, 2 et 3. Voilà, comme ça, ça c'est à jour. Ensuite, le défi monthly, je vais mettre juste des croix parce que sinon on va y passer la journée, et je ferai mon petit coloriage. Hop. Je ferai mon petit coloriage à part, parce que je pense pas que ça soit la partie qui vous intéresse le plus. Ensuite, et ben du coup, le défi All Cash, on va l'enlever et puis on choisira un nouveau défi pour ce mois-ci. Je vais voir dans ce que j'ai déjà. Et puis quand j'aurai le temps, je le mettrai aux couleurs du classeur. Hop, jour férié. Et 5 euros, on avait combien sur le défi? On avait jusqu'au avant-dernier. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça tout à l'heure, je ferai Mumuse à faire du coloriage. Un petit point sur Shop Pop Up. C'est aucune livraison cette semaine, tout simplement parce que bah, du coup j'avais pas le temps et j'ai eu un petit problème. D'ailleurs, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai eu un petit problème avec la voiture. Alors, elle est pas en panne, hein, mais j'ai des voyants qui s'allument et j'ai dû faire venir deux fois l'assistance. Ils m'ont dit que y avait rien, alors que tout s'allume. Hein, c'est un vrai sapin de Noël, mon tableau de bord. Et du coup, ils m'ont dit d'attendre la prochaine fois que je serai en panne pour pouvoir enfin l'emmener au garage. Donc, je suis obligée de tomber quand même. Je trouve ça aberrant. Hein, je suis quand même obligée de tomber trois fois en panne pour pouvoir enfin emmener ma voiture à réparer. Donc, elle est neuve. Hein, elle a que 4 mois et elle est déjà en panne. Bref. Du coup, j'ai pas pu faire de livraison. Par contre, j'ai eu deux parrainages d'ailleurs que j'ai pas marqué. Oh mince, j'ai oublié de me remettre un tracker. Bon, et ben ce qu'on fera, c'est que quand j'aurai le temps, je me le referai. Donc du coup, j'ai eu deux parrainages et ça, c'est super. Franchement, merci beaucoup. Donc je vois que les deux personnes qui ont renseigné mon code quand elles se sont inscrites ont déjà fait leur première livraison. Donc bravo à vous. N'hésitez pas à me contacter par mail. Le mail, il est dans ma barre d'infos pour que je puisse vous envoyer un tracker Shop Pop Up. Donc ce sera celui-là, on est d'accord. Hein, ce sera pas celui-là. Celui-là, il est pas bon. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer, je vais y arriver, n'hésitez pas à m'envoyer votre mail et votre adresse par mail.
On reprend. N'hésitez pas à m'envoyer par mail vos coordonnées, comme ça je vous envoie le tracker Shopopop. J'aimerais bien que, d'ailleurs ça va être une obligation, hein, je vous laisse pas trop le choix, je suis désolée. Je veux que vous m'envoyiez votre la capture d'écran de votre première livraison pour que je puisse vérifier si c'est bien vous qui avez renseigné mon code de parrainage. Je veux pas en fait envoyer le tracker Shopopop à la mauvaise personne, voilà. Des personnes qui seraient mal intentionnées et qui voudraient juste récupérer le tracker gratuitement. Donc, envoyez-moi tout ça par mail pour les autres personnes qui se demandent de quoi je suis en train de parler. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application Shopopop, en fait, vous livrez des courses. Alors, généralement, c'est des courses, mais des fois, ça peut être des bouquets de fleurs. Donc, c'est des particuliers qui passent commande dans les grandes surfaces et vous récupérez la livraison, vous la livrez et vous encaissez une petite somme d'argent. Alors, ça peut aller de 4 euros et des bananes. J'ai vu des courses, jusqu'à des courses où j'ai vu que c'était à peu près 10 euros, voire plus. Il me semble que j'en ai vu une passer. Quand on se rapproche de la fin de la date, de la fin de l'heure de livraison, le prix il augmente. Donc, c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai commencé il y a 2 semaines et du coup, bah, là, j'en suis à 54,90€ plus les 10 euros de parrainage. Bah, les 2 fois 5 euros de parrainage, ça fait 64,90€. Donc, voilà, si vous voulez utiliser cette application et profiter en fait des voyages que vous faites pour faire une ou deux livraisons, eh ben, n'hésitez pas à renseigner mon code de parrainage qui vous permettra de bénéficier de 5 euros. Et donc, moi aussi, je bénéficie de 5 euros. Et donc, ce code, il est renseigné lorsque vous faites votre inscription, la première inscription. Et il ne sera valable, ben, vous récupérez les 5 euros, qu'à partir du moment où vous aurez fait votre première livraison. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Je le mettrai à nouveau sur la vidéo et je le remettrai en barre d'infos. Donc voilà, faites-vous plaisir. Vous voyez que du coup, en l'espace de 2 semaines, on peut quand même se faire un joli petit pécule. Donc 64 euros, je ne sais pas encore pour l'instant si je me les fais virer tout de suite ou si j'attends le mois prochain. Mais voilà, déjà 64 euros, ça c'est super. C'est vraiment super top. Et donc, je remercie encore les 2 personnes qui ont utilisé mon code de parrainage pour leur inscription. Allez, du coup, Shopopop, on peut remettre là-dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le nouveau défi, là, celui qui va remplacer le défi All Cash. Et je vais sortir mes défis et on va regarder ça ensemble. Donc là, je me suis pris donc, la catégorie Orchidée, mais... Moi, j'ai d'autres catégories, mais c'est celle qui était la plus complète. Donc, j'espère avoir tous mes défis. Je ne les ai pas tous en tête. Donc, bah, en fait, j'en ai fait tellement que du coup, je ne les ai pas tous en tête. On va vérifier si... bah, on va regarder là s'il y en a un qui m'intéresse. Sinon, eh ben, j'essaierai d'en créer un nouveau et puis je vous tiendrai au courant la prochaine fois qu'on se verra. 2024, non, je ne veux pas faire 52 semaines. J'avais tenté l'année dernière et... ça m'avait un peu saoulé au bout d'un moment parce que c'est trop long. Jeu de dés, ça pourrait être sympa. Je vais me le mettre de côté. Alors, hop, jour férié, je l'ai déjà. Jeu de cartes, ça pourrait être sympa aussi. Lunaire, non, parce que c'est trop cher. Ben, y a trop de grosses sommes pour moi. Centimes, non, c'est beaucoup trop long. Le monthly, je l'ai déjà. Un Tetris. Non, Tetris, j'ai pas envie de le faire. 12 mois, le Sudoku, non. Le mot mêlé, non. Pépite, non. Défi des saisons, non. Et après, Astro, non plus. Jeu de cartes ou jeu de dés? Eh bien, vous savez quoi? C'est vous qui allez choisir si je fais le défi jeu de cartes ou jeu de dés. Dites-moi en commentaire lequel je dois faire. Donc le jeu de dés, bah, c'est facile. Je lance les dés et puis je remplis les cages au fur et à mesure. Et là, je prends un jeu de cartes et je tire au hasard les cartes. Le but, c'est soit de compléter toute la carte, soit de passer tout le jeu de cartes. Voilà. Donc dites-moi, je prends le jeu de cartes ou le jeu de dés. Vous choisirez en commentaire et vous êtes décisionnaire. Allez. On va faire comme ça, sinon je ne me déciderai pas. Bon, et on va se laisser là pour là tout de suite. Vous allez me voir dans 2 secondes. Mais moi, je vais m'arrêter là, tout simplement parce qu'il faut que je fasse mon budget. Et après, je vais aller tirer de l'argent et on fera la répartition tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, du coup, j'ai réfléchi. J'ai fait... Hop, là, je vais arriver ici. Donc du coup, j'ai bien fait mon budget
et j'ai besoin de 530 € pour mettre dans mes enveloppes là pour le mois de juin. Et je me suis dit, du coup, c'est un peu stupide d'aller là chercher de l'argent, déjà parce que j'ai la flemme, et puis parce que ça sert à rien de sortir de l'argent, sachant que je vais devoir en remettre sur le compte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de l'argent qu'il y avait dans mes défis pour pouvoir remplir mes enveloppes du mois de juin. Et puis, ce qui me restera, pour le coup, j'y déposerai à la banque. Et du coup, je me ferai un virement là de 530 € de mon compte courant sur le LEP. Comme ça, au moins, ça m'évite de sortir une grosse somme pour en remettre une grosse somme. Comme des fois, il y a des plafonds, si jamais vraiment il y a un gros pépin que j'ai besoin de sortir une grosse somme d'argent sur mon compte, je me laisse encore la possibilité de pouvoir le faire. Donc pour m'éviter des manipulations inutiles, on va se servir de ce qu'il reste dans les défis pour mettre dans les enveloppes. Donc du coup, je suis encore partie cette semaine, ce mois-ci, pour 5 semaines. Donc j'ai compté 5 semaines sur le mois, sachant que moi je suis payée le 25 et que le 25 cette semaine, ce mois-ci tombe un mardi, si je ne me trompe pas. Pour le mois de juin, ça tombe un mardi. Donc du coup, il y aura en fait quelques jours où on va faire quelques jours blancs. Je ne vais pas entamer une cinquième semaine. Cette cinquième semaine, elle sera blanche. Comme ça me permettra d'économiser les sous que j'aurai budgétisés en plus. Et j'ai tout budgétisé sur 5 semaines. Au niveau des ressources, ce mois-ci, j'ai 1 810 €. J'ai aussi 500 € à peu près qui vont tomber. Mais je n'ai pas encore envoyé ma facture là, pour mes extras. Donc du coup, ces 500 € iront directement sur le LEP, je ne les compte pas. Au niveau du loyer, ça ne change pas, donc 600 €, l'assurance 87, pareil, ça ne change pas. Les frais bancaires, 15 €, la voiture, 154, internet, 30 €, téléphone, 16 €. Il y a moyen, je ne sais pas encore si ça va fonctionner, ça va être un test. Si ça fonctionne, tant mieux pour moi. Si ça ne fonctionne pas, j'aurais perdu 2 €. Mais il y a moyen que mon forfait téléphone passe à 2 €, ce que je compte acheter. Une deuxième carte SIM pour pouvoir avoir un deuxième compte Shopopop et pouvoir faire plus de livraisons. Donc j'espère que ça va fonctionner, je ne l'ai pas encore commandé mais je vais tester ça. Parce que j'ai voulu en fait créer un deuxième compte avec ma carte SIM que j'ai déjà et demande un deuxième numéro de téléphone. Donc je vais en acheter une nouvelle pour pouvoir avoir deux numéros de téléphone différents. Et c'est un test. Au pire, j'aurais perdu 2 € pour le premier mois. Si je vois que ça marche pas, je la résilie et puis tant pis. Au pire, je perds 2 €. Au mieux, ça me donne accès à de nouvelles livraisons. Canva, l'abonnement Canva, 12 €. Apple, 12 €. Disney Plus, 9 €. Crunchyroll, 5 €. L'électricité, 96. Et j'ai repris un abonnement Netflix ce mois-ci, tout simplement parce qu'il y avait les chroniques de Bridgerton. Donc, il fallait absolument que je regarde. Donc, j'ai pris l'abonnement Netflix. Pour l'instant, je le garde. Parce qu'il y a des séries qui m'intéressent, donc j'en profite. Donc charge fixe 1 021 €. Au niveau de l'essence, du GPL, j'en ai pour 100 € pour le mois. Je paye encore le billet d'avion pour la Corée. Donc ça va être mon dernier versement, donc 260 €. Ce sera le dernier et après ce sera clôturé. Ensuite, alimentation, donc du coup, pour ce mois de juin, j'ai prévu 200 €, donc c'est 40 € par semaine. Shopping, 100 €, donc 20 € pareil par semaine. 20 € d'entretien et hygiène pour tout le mois. 100 € de santé. J'ai un rendez-vous, j'en ai un rendez-vous, j'en aurai pour 65 €. Et un autre où je vais chez le médecin, donc j'en aurai pour une 30aine d'euros. Donc j'ai prévu une grosse enveloppe santé pour ce mois-ci. Cadeau, j'en ai pas de prévu ce mois-ci. Il y a mon petit frère qui fête son anniversaire. Mon petit frère a son... L'anniversaire de mon petit frère, c'est le 1er juin. Mais je lui ferai un cadeau fait maison. Donc, ça ne me coûtera rien. Resto prévu 20 €. J'ai prévu 70 € pour le chat. Donc, 40 € pour la première semaine. Et après, ce sera 10 € par semaine. Et il y a de fortes chances que je cumule l'enveloppe chat toutes les semaines en fait, et juste pour être sûre, si jamais j'ai besoin d'acheter plus de croquettes ou alors plus de litière, je cumulerai. Par contre, je la viderai que à la fin du mois. Et SOS, comme d'habitude, je mets 20 €. Donc si je ne me trompe pas au niveau des calculs, on est à 530 € et on va pouvoir faire la répartition tout de suite dans les enveloppes. Et je sais pas pourquoi je pars de ce classeur vu que tout va se passer maintenant dans celui-là. Du coup, alimentation, c'est 100 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein ?
200 euros. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, hop, 100 euros. Je les rangerai après. Shopping. Non, 200 euros pour l'alimentation. Shopping, c'est 100 euros pour le cours. Hop. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quoi? Santé. On a mis 100 euros aussi. Donc. Et ce que je vais faire... Alors... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux billets de 5. Parce que à chaque fois que je vais à ma séance, c'est 65 euros. J'ai jamais de monnaie à lui donner. Donc là, comme ça, je pourrais lui donner directement le bon compte. Restaurant, j'ai prévu 20 euros. Chat, on a dit 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite... Ensuite, cadeau, on a dit rien. Entretien hygiène, 20. Et SOS, c'est également 20. Et dernière étape, et après on en aura fini pour aujourd'hui, c'est de remplir le portefeuille pour attaquer la nouvelle semaine. J'ai besoin de alimentation et on va prendre du coup... ça, j'en ai plus besoin. Donc, ce qui me reste là d'argent, forcément, ça retournera sur le compte. Et puis voilà. Donc, j'ai besoin de l'enveloppe alimentation, l'enveloppe shopping. J'ai pas encore refait d'enveloppe chat. J'ai pas encore fait d'enveloppe en chat. Donc, pour l'instant, je vais prendre l'enveloppe entretien et hygiène. Et puis, dès que j'aurai un petit peu de temps, de toute façon, comme je dois me refaire des trackers. Dès que je les ferai, je me ferai aussi une nouvelle enveloppe. Donc, j'ai mis 40 euros pour alimentation, 20 euros pour shopping. Et enfin, l'enveloppe chat, on a dit qu'on commençait avec 40 euros pour acheter la ski. Me manque. Et du coup, je suis parée à attaquer cette nouvelle semaine et ce nouveau mois. Qui risque de passer assez vite parce qu'on va avoir beaucoup de boulot. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous, ça s'est bien passé pour ce mois-ci. Vous me direz tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à commenter là pour pouvoir choisir si je fais le mini challenge jeu de défi ou jeu de cartes, ou alors si vous avez d'autres idées que vous voulez que je fasse un autre défi que ceux que je vous ai présentés. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus donc, à utiliser le code promo que je vous aurais mis si vous voulez vous lancer dans l'aventure Shopopop. Je remercie encore une fois les deux personnes qui l'ont utilisé et qui m'ont permis de gagner 10 euros. J'espère que vous, les 5 euros, ça vous fait plaisir. Et donc je vous rappelle, n'oubliez pas de m'envoyer vos coordonnées par mail ainsi que la photo de votre première course. Et puis voilà, je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à toutes une semaine remplie d'économies. Je vous souhaite également un bon week-end. Moi en tout cas, il fait super beau. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!